Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans ma voiture. Toujours pas à la croisée des chemins. Bon, les vidéos promises avancent petit à petit entre deux vacanciers, mais là ça y est, la saison se termine, ça se calme. Et la bonne nouvelle, c'est que même si juillet, vous vous souvenez dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que juillet avait été vraiment très moyen, pas mauvais, mais très moyen. Le mois d'août a été assez ouf, assez exceptionnel. Là, on sort de 3 semaines, mais d'une intensité. C'était du non-stop, du matin au soir. On démarrait en général la journée à 6h, 6h30. Pour cuire le pain, les viennoiseries, préparer pour la journée. Et on arrivait les journées, les petites journées, on arrivait à terminer à 22h30, 23h, avec une petite pause le midi d'une petite demi-heure pour manger et un petit quart d'heure, 20 minutes pour la sieste. Les journées habituelles, c'était plutôt de l'ordre de 23h30, minuit. Autant vous dire que tous les jours, au rythme de 6h, 6h30 de sommeil par nuit, ça a piqué un petit peu pendant 3 semaines sans jour de repos, sans rien. Là, on repart pour des journées normales où on commence tranquillement vers 8h30 la journée. On se lève tranquillement vers 7h, 7h30. Toujours pour cuire les viennoiseries, mais il y en a moins. Donc, c'est moins long. Et en général, on arrive pépouze à finir la journée à 20h. Donc, ça fait des journées plus légères. Et même pendant la journée, on arrive à prendre des instants vraiment tranquilles pour nous. Je suis en train de ranger mon atelier, de tout remettre comme il faut. Et j'ai repris également, parce que j'ai fait une petite pause dessus, les vidéos sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Les Chroniques de l'effondrement. Je vous mettrai un lien dans la description, qui est une chaîne du coup où je traite d'actualité et je donne mon point de vue sur l'autonomie et l'effondrement, etc. Et donc du coup, là, on va démarrer la partie hivernale après, même si on en est encore très loin. Mais nous, il y a la partie automnale et hivernale où on a pas mal de boulot. Cette année, on a dit qu'on se rajoutait pas de chantier. On doit finir la cuisine, on doit finir certains travaux dans le camping, dont des enduits muraux pour l'accueil du camping, une grande terrasse en bois couverte toujours pour l'accueil du camping, et bien entendu d'autres... d'autres travaux, voilà, entretien du terrain, va revenir la saison des jus de pommes, du cidre. On a prévu de construire également une petite terrasse devant notre maison avec une petite véranda, ou au moins au minimum couvert, mais idéalement une véranda. Et puis on a un nouveau logement qui arrive aussi au mois de septembre. Donc c'est une petite yourte en bois qui sera utilisable l'hiver vu qu'elle sera bien isolée. Donc pareil, il va falloir construire le support, la construire elle et faire tout l'intérieur, donc salle de bain, toilette, toilette sèche du coup, et bien entendu tout l'aménagement intérieur quoi. Donc ça va être un petit peu de boulot, mais du boulot vraiment qui vaut le coup, puisque c'est encore petit à petit une évolution sur notre projet. Et là, on a fort heureusement, grâce au mois d'août qui était vraiment très bien, on a bien fonctionné à l'épicerie, au bar, bref, c'était vraiment super. Et on va, grâce à ça, encore finir de passer l'hiver. Donc, une fois au printemps prochain, il nous restera moins de 2 ans pour finir de rembourser la croisée des chemins et pouvoir dire que là, réellement, on est bien, bien établi. J'espère en tout cas que vos vacances se sont bien passées, que la rentrée se prépare. J'espère que c'est pour vous sous les meilleurs auspices, même si je reçois encore des témoignages sous la vidéo par rapport aux vacances, si vous demandez si vous partiez en vacances ou pas et pourquoi vous ne partiez pas le cas échéant. Et vous m'avez beaucoup, la vidéo a cartonné et vous m'avez beaucoup fait part des difficultés financières actuelles. Donc moi, via la chaîne Les Chroniques de l'effondrement, j'en parlerai sûrement. Et je vous souhaite tout le meilleur pour cette rentrée scolaire, pour cette
nouvelle année scolaire qui démarre. Et nous, bah, on va continuer à bosser à la croisée des chemins. On va essayer de d'avancer au maximum tout ce qu'on a à faire pour cet hiver. Là, j'ai encore tout le bois, pareil, j'ai l'entretien, j'ai tout le bois à rentrer. Enfin, on s'ennuie jamais, hein. Et donc, du coup, on va bientôt reprendre les vidéos au rythme habituel pour parler des différents sujets autour du thème de l'autonomie, vous relater l'avancée de ce qu'on fait à la croisée des chemins. Et n'hésitez pas, pareil, à, comme d'habitude, à vous abonner, liker, partager, commenter. Hein, vous connaissez la chanson. Pour continuer à faire vivre cette chaîne. Elle évolue gentiment, voilà, elle monte tranquillement. Vous êtes petit à petit un petit peu plus nombreux à nous suivre, à suivre nos pérégrinations et nos pensées. Et bientôt la grosse vidéo. Là, j'ai encore j'ai tourné 4 des scènes que je voulais tourner. J'ai encore au moins 5 ou 6 scènes à tourner et tout le montage à faire. Et bien entendu, la vidéo du jeu concours qui devra arriver là dans le courant du mois de septembre pour pouvoir venir passer un petit séjour au camping et venir nous découvrir, venir découvrir notre projet. Et tiens, d'ailleurs, j'oublie, il y a aussi également le chantier de la serre à finir puisqu'on on a installé la nouvelle serre. Il ne nous reste plus que les pignons installés, 2-3 petites bricoles à faire. Et après, bah, il va falloir l'installer, hein, cette nouvelle serre. Donc, pour faire tous les aménagements... il a glissé le téléphone. Faire tous les aménagements intérieurs. Une fois que les pignons seront finis, et puis bah, préparer la terre pour les semis d'hiver et pour bah, la nouvelle année après de plantation. Donc bah, pareil, on essaiera de vous documenter tout ça. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!